En un mot, je dirais génie. Mais artiste. Spontané. Beautiful. Talented. Exceptionnel. Impredictable. Amazing, I would say. Magical. This is the word. It was magical. J'ai été impressionné. Déjà, quand il était à Lille, quand j'avais joué contre lui, j'avais dit waouh, quel joueur. Il avait son style à lui, il tentait tout, il osait tout et tout lui réussissait. Il avait cette personnalité, cette confiance en lui. C'est un artiste, ça fait partie des joueurs de ma génération que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Qui faisait le plus rêver sur le terrain parce qu'il faisait ses dribbles, son attitude. He's the type of player where you pay to watch, and for me this is football, you know, you want to play to watch these type of players. No, it's true, it was just 1 year, 1 season, where we won the Europa League. And then quickly we found out how, you know, fantastic and top player he was. I would say big talent, a lot of quality, and I remember him as an amazing player and a good example for us as a winger player. Je l'ai entre guillemets admiré quand il était au LOSC. Après, j'ai pu suivre sa carrière et même jouer contre lui quand il était à Chelsea. Technically very strong, very fast. I remember so many moments of the games when he faced the opponent and the go and one against one, come inside, shoot, goal. The kind of game of players who can decide games alone. The prime Hazard for me is the so close to Messi, for me, so close. J'aime aussi, on va dire, sa façon aussi des fois de penser qui peut être un peu décalée d'un des grands sportifs. Donc il se démarque par rapport à ça. Je crois que c'est un des seuls joueurs contre qui j'ai joué, où j'ai dit à lui, il ne perd jamais la balle. Il perd mais vraiment, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est je ne l'ai jamais vu perdre un ballon. Et il m'avait impressionné et il fait partie des deux, trois joueurs contre qui j'ai joué qui m'a le plus impressionné. On était au collège ensemble à Lavoisier, mais bon, lui, il était déjà en quatrième ou troisième. Moi, je venais d'arriver, j'étais en sixième. Donc, je me rappelais qu'il était assez timide et réservé et resté dans son coin. Je me suis rappelé que c'était un mec avec qui on était au collège et bah, il est devenu le joueur que c'est devenu. Je me rappelle pas avoir vu un aussi jeune joueur imposer s'imposer de cette manière avec une équipe professionnelle. Un peu plus tard, quand je suis arrivé à Lille, il était à Chelsea et il a fait 3-4 saisons où c'était top niveau. Il a gagné la première ligue, etc. I didn't watch, but I remember because my brother is of similar age. Him talking about Hazard, and there was links Hazard to maybe Manchester United, to everywhere in England, you know. They were speaking about him like crazy in England, but he ended up signing for Chelsea. And from then, when I was in England at Manchester United, he was always the rival. So, and everybody was scared when they had to play against Hazard, which is normal. He was a talented player that I heard when he came to Chelsea. We all wanted to see what kind of player, what he could bring to the club. And he was unstoppable there, and it's really a joy to watch him play. Dans ta tête, tu dis ça reste qu'un homme, même si tu sais qu'il est capable de dribbler toute ton équipe. Et d'ailleurs, il l'a fait une fois contre Tottenham, il a dribblé tout le monde alors qu'on jouait le titre. Paf, il a mis son but plein lucarne. Et il a tué. En plus, il était rentré en jeu, il était même pas titulaire. Diego Costa, glorious goal! T'essayes d'oublier que c'est un génie et de, tu vois, faire avec les moyens du bord, tu vois. Every time you watch Eden Hazard, he'd bring a smile to your face, you know, and he did things that not a lot of other players could do, so to watch a player like him was amazing. I played with Adil Khami also, so he told me a lot of stories about Hazard, but I'm of the generation where you can go on YouTube to see everything, you know, so every Hazard video I've probably watched. When you see his videos, you can learn a lot from him, and why not to do the same like him? Voilà, non, à la mi-temps contre
contre Newcastle Chelsea. Vu que j'avais fait une bonne première mi-temps et tout, il doit pas s'en rappeler lui, mais il m'avait dit là Mourinho il a mis un plan sur toi, il va te mettre 2-3 joueurs. Et ça m'avait marqué. Un truc qui m'avait marqué aussi, c'est quand j'ai joué contre lui à Montpellier, Montpellier-Lille. Mais il y a une faute sur moi, je suis au sol et il vient me relever. Il me dit ça va Rémi. Je dis ah, ok, il connaît mon prénom. Non mais c'est vrai, je me suis dit putain il connaît mon prénom. Je pensais qu'il allait dire Cabella, lève-toi ou. One of my favorite Hazard memories maybe was his goal against West Ham. You know when he turned, he dribbled through everyone and he scored. You know there's so many I could name, but this one was one of my favorite ones. 2011, yeah, I was in Ballboy that time, and they were playing against Trabzonspor. I was there, Ballboy. That time it was a great atmosphere in that game. He was playing there, and I think he did assist that time with Moussa Sow, I think. I was there, Ballboy, but look where I am now. Félicitations pour tes buts, mon ami. Tu m'as battu. Enfin, tu me l'avais juste dit quand on s'est rencontré contre le Canada, là, Belgique-Canada. Tu m'as dit que tu allais battre mon record, donc voilà. Super content pour toi. Je pense pour moi, c'était plus facile pour moi parce que, après tout, c'était un ailier. Moi, je suis attaquant, je suis directement en face du but. Alors, c'est pas chaque jour que tu reçois des messages de joueurs que tu aimes, que tu as regardé jouer et qui te faisaient rêver. Alors, c'est sûr que ça fait plaisir. It's just have to appreciate what he did in his whole career. I think he made a great career and we hope we can do the same like him. Tu peux voir à chaque fois que tu parles d'Eden Hazard ici, les gens ils en deviennent fous. Tu peux voir l'ampleur qu'il a aussi au club. On sait qu'il a extrêmement marqué le club. Pour avoir un accueil pour Eden Hazard, pour moi, il faudrait remplir 3 stades. Mais vraiment, 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 il mérite. He has to be up there with the top 5 best in the Premier League at the time, in his time. Nobody could stop Hazard, I think. And I think that any person from any team, they would say the same thing. It's impossible to say no because of what he did. Voilà, il a roulé sur la Premier League. Sans forcer, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est le top joueur dribble du monde, quoi. You know, it's a good boy. We all know how he loves his family. You know, we actually had the kids in the same school, and it was funny to see him sometimes picking up the kids. And they used to play. You know, put the backpacks as goals, and the kids were playing, and sometimes he was jumping and play with the kids. You know, and that's the good thing of. Même un jour après le match Montpellier-Lille, ben on était en contrôle antidopage et il était à côté de moi et je dis putain il est là, il est là. Eden Hazard, il est à côté de moi et tout. Parce que voilà, c'est pour moi c'est quelqu'un quoi. Je regardais beaucoup ses vidéos, je regardais beaucoup ses matchs, donc pour moi c'est pour ça ça me touche énormément de parler de lui. Won the league here with Lille. He was 2 times, you know, like the best player of the league as well. You know, the club, I think. And then and looking to his career and what he did, what he achieved, I think is a really well deserved. And obviously, you know, I think it's something that inspired the other kids here, the other players, and I think it's really well deserved. A moment for to remember to everyone how it was important for LOSC and to recognize. Today, I think is a fair price for him. Non, il fait partie franchement des deux trois mon top 2-3 qui m'a le plus impressionné en vrai, hein, vraiment. Et je kiffe énormément Eden Hazard. Ouais. En fait, j'étais chez moi à Newcastle après le match et tout. Et tellement j'étais content. Regarde, j'ai mis le maillot d'Eden. Et celui-là, s'il y a bien un maillot. Bon, après, j'étais jeune. S'il y a bien un maillot que je garderai vraiment, c'est celui-là. Celui-là, il est impossible que je le donne, mais vraiment pas. C'est impossible.